À tous, Monsieur Wawa a quelque chose à nous dire. Monsieur Wawa, pouvez-vous leur dire ce que vous m'avez dit plus tôt dans mon bureau aujourd'hui La vie n'est pas ce qu'elle semble être. Et je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. Je sais que vous êtes choqué, sûrement. Probablement, vous pensez peut-être que quelqu'un parle derrière moi. C'est moi. Je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. Très différent de ce que vous pensez que je suis. C'est-à-dire non éduqué, bavard. Il est très naïf. Timide. Ce jeune homme-là dans la rue, c'était une personne de la rue que vous avez fait venir pour. pour vous aider, ou plutôt pour travailler pour vous en tant qu'agent de sécurité. J'ai... J'ai abandonné l'université. J'ai abandonné l'école, non pas à cause de mon incompétence académique, non pas parce que je n'avais pas la volonté de continuer, ou non pas parce que j'étais distrait, ni même parce que je n'avais pas les moyens pour me payer mes études. J'ai abandonné l'université à cause des circonstances. Je suis une victime de l'avidité, une victime de la pure méchanceté. Et je vais m'expliquer. J'avais un professeur quand j'étais à l'école. Bonjour, chers étudiants. J'ose croire qu'à présent, vous avez tous reçu ce manuel. Un guide en entrepreneuriat. Eh bien, c'est facultatif. J'ai dit que c'est facultatif et j'ai entendu quelqu'un dire non, monsieur. Mais laissez-moi vous dire, pour ceux parmi vous qui pensent que. Vous ne devez pas acheter ce manuel. Le jour des résultats, nous saurons bien qui est qui dans cette institution. Et pour ceux qui ont le manuel, allez à la page 33. Euh, vous verrez la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée. Je vais vous la laisser en guise de devoir. Oh Mais pourquoi Mais Pourquoi Qui est en train de murmurer là Personne. Personne, Personne, monsieur. Monsieur. Où est le chef de classe Monsieur. Oui, Joseph. Oui, monsieur. Assure-toi qu'ils remettent leur devoir avec la somme de 3000 naira chacun. Oh Pourquoi autant de chahuts, oh, Joseph Monsieur, assure-toi de récupérer jusqu'au dernier centime. C'est compris, monsieur. Et prends les noms de ceux qui se plaignent et apporte-les dans mon bureau. D'accord, monsieur. Monsieur, en sommes-nous supposés remettre le devoir Vous avez trois jours pour le faire.

Franchement, je ne comprends plus du tout cette école. Peux-tu le croire Comment peut-il nous demander de payer 3 000 juste pour un devoir Mais c'est trop là. Ah. De toutes les façons, moi, je n'ai pas d'argent pour payer. Franchement, je, je sais combien que... coûte mon loyer 150 000 naira. Je n'ai pas d'argent pour payer. Et ce qui me fait mal, c'est que le chef de classe ne fait rien par rapport à ça. Tout ce qu'il sait, c'est de se lever et accepter tout. 3 000 juste pour un devoir Il arrive. <laughs> chef de classe... Oui, quoi de neuf, la fille. On va bien. <laughs> Euh, chef de classe, euh, s'il te plaît, nous voulons que tu parles au professeur. D'accord. Comment peut-il nous demander de payer 3 000 juste pour un devoir Mais c'est trop, nous ne sommes que des étudiants, il devrait comprendre. Et ce qui m'énerve dans ça, c'est que tu ne fais rien par rapport à tout ça. Tu ne peux que te lever dit oui, monsieur. Et c'est beaucoup trop. S'il te plaît, aide-nous, parle au professeur. Tu es plus proche de lui que nous. Maureen. Tu, tu dois être Maureen. notre voix. Maureen, désolé de te couper la parole, mais je te comprends. D'accord si tu étais à ma place, tu allais comprendre ce que je veux dire. J'ai essayé ça une fois, ça s'est pas terminé comme je l'espérais. Tu comprends? Alors je peux plus refaire ça. S'il vous plaît, je peux pas me tuer à cause de vous, ici à l'école. D'accord? Je peux pas changer le système. Un arbre ne peut pas faire une forêt. Vous pouvez lui demander, il vous en dira plus. C'est tout ce que t'as à dire? Ma chère. Écoute, tu vois, cette histoire affecte tout le monde. Ce n'est pas facile pour lui. C'est pas facile pour moi? C'est pas facile pour vous deux? Alors gérons la situation dans l'ensemble. Ouais, c'est ça. en ce qui me concerne, je n'ai même pas 5 francs à donner. Je n'en ai pas. Si tu n'as pas ah. d'argent à donner, alors reste dans cette école. C'est ta dernière année. Alors si tu ne payes pas, je suis désolé, ma chère. Tu t'arrêtes là. Tu comprends? Et vu que vous ne voulez pas comprendre, mon pote, on y va. Un euh, homme envers, c'est en vos deux. Allez, vas-y, viens, on y va. Oh, pardon, parle au professeur de notre part. J'ai essayé, désolé, je peux plus faire ça. Ok. Pardon, partez. Écoute, ce qu'il raconte. On dirait que cet argent sortait de sa poche. Ça n'entre pas dans ma poche non plus. Non, mais mon Dieu, trois mille, juste pour un devoir. Nous n'avons même pas encore commencé avec les cours. Non, mais c'est trop. Si c'était pas à cause du fait que l'éducation est importante, j'aurais déjà abandonné. T'inquiète pas, moi je vais abandonner. S'il te plaît, on y va. Je suis glacée. Allons-y. J'en ai vraiment marre de tout ça. Moi, c'est pareil. Et où est-ce que tu je vais trouver, vais trouver cet argent, trouver cet argent oh. Docteur Fred Oui, mon ami. Je ne peux pas me tuer pour ce département. Bien sûr que non. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ce département. Qu'est-ce que tu as J'ai corrigé mes copies du semestre passé que j'ai déjà soumis au département. Uh -huh. J'ai déjà donné le meilleur de moi-même. Et je ne sais pas pourquoi ils veulent que je, 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 je continue à me stresser à ce point. Mais je t'ai toujours confié hein? par rapport à, je à ça. Je n'ai jamais obtenu une bourse. <laughs> je n'ai jamais... Était sponsorisé par les missionnaires, ni même par ma communauté. Donc, j'ai souffert pour être là où je suis aujourd'hui. Franchement, je suis dans la même situation que toi. C'est pareil. Sais pas, je ne sais pas. Donc, je, si je, quelqu'un ne veut je... pas étudier, c'est son problème. Je me fais payer, alors je fais mon travail et je donne mes cours. C'est tête de neuf. C'est leur problème. C'est tête de neuf. C'est leur problème. Je viens à mon bureau et je travaille. Et c'est tout. Bonjour, comment allez-vous Je viens à mon bureau, je fais ce que j'ai à faire. Et c'est ça, mon travail. Exactement. C'est exactement ce que je fais. Je te l'avais déjà dit. Je n'ai vraiment pas le temps de me prendre la tête et me stresser. Je n'ai pas le temps pour ça. Si tu veux étudier. Tu étudies. Bon après-midi. Mmh, jeune fille. Oui, monsieur. Comment tu vas? Qu comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Comment est-ce que tu t'appelles? Oui, bon après-midi. Bonsoir, monsieur. Favor. Bon Favor? Oh wow. Favor. Favor. Elle est chanceuse d'être dans ton département. Bien sûr qu'elle est. Ok, tu peux partir. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Ça, c'est une vraie femme. Ça, c'est vraiment une femme, mon frère. Elle est magnifique. Alors qui est en charge des montagnes dans cette école Je pense que c'est ce stupide garçon qu'on appelle Mike. Un étudiant. Il, il n'est pas vraiment en grande taille. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. cette. cette fille oui, bien sûr. Cette fille. Elle a tout ce qu'il faut. Absolument tout. Ne t'en fais pas. J'ai une. Une hache. <laughs> pour les arbres comme ça. <laughs> je te connais. Je te connais. Je te connais. <laughs> tu ne vas jamais cesser de. Jeune homme. Doc. Ceci est non négociable. Ces étudiants ont dépassé les bornes. Ah! Euh, imagine Mais ce, ce, fait. Ce, ce, ce jeune garçon. Comment est-ce qu'il s'appelle Ce mec court. Um, 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 Michael. Un ce mec très ce court. Même Michael. Ce même Michael oui. Michael. Drag la même fille que moi. Docteur One-Touch. Ce même Michael Ce même garçon <laughs> Je vais en finir avec lui. Je ne comprends pas. Je vais en finir avec ce garçon. Ah! Oh. <laughs> Mais explique-moi quelque chose. Qu'est-ce qui donne à ces étudiants le grand de se mettre comme ils le font en compétition avec nous? Moi-même, je ne le sais pas. Oh! Tu dois vite faire quelque chose à propos de cela. Qui est moi? Et vite! Je vais m'occuper de ce garçon. Docteur Nandi, je ne comprends pas. Tu es un homme marié? Docteur Fred, même toi. Oh, un homme marié. Mon ami, monsieur l'homme marié. Ok. Tu es un homme marié. Et un voilà. membre de cette famille. Oh oui. Tu sais que quand tu viens juste de te marier, quand tu es nouvellement marié, il y a encore ces histoires. Chéri de... par-ci, chéri, chéri par-là. Par par <laughs> par il est encore dans cet état d'esprit, ça se voit sur lui, il est encore en une demi-heure. Mes... Ah, comme tu l'as dit plus tôt, il vient d'entrer dans ce jeu. S'il avait vu cette chose que j'ai vue, cette chose, il allait retourner la veste. Je t'assure. Toi, tu allais retourner ta veste. Non. Tu ne <laughs> vas pas, pas encore possible. comprendre. Je suis déçu de vous entendre de parler de la Monsieur sorte. le marié. Homme oh, marié. Monsieur le marié. S'il vous plaît, tout ce que j'ai à vous dire, c'est de faire attention et pensez-y. Tu sais, cette histoire de chérie par-ci, chérie par-là, c'est quand tu es nouveau dans ça. Tu vas nous rejoindre. Que Dieu m'en préserve. Bébé, je suis fatigué. Ah ah, bébé. Je suis fatigué de cette école. Bébé, arrête, arrête de parler de la sorte. Que se passe-t-il Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a Tu ne peux pas comprendre. Fais-moi confiance. Alors, fais-moi comprendre. comprendre. On ne sait jamais. C'est tellement frustrant. Eh, hey, salut, mec. Frangin, comment tu vas Je vais bien, mec. Je te cherche depuis tout à l'heure. Le docteur Namdia dit que tu ailles le voir dans son bureau. À quelle fin Pourquoi J'en sais rien, il m'a juste demandé de te dire que tu ailles le voir. Es-tu sûr qu'il n'y a pas un problème Non, non, pas de problème, je ne le pense pas. Je vais aller voir le docteur Cynthia pour savoir si elle sera là pour le prochain cours. D'accord, passe une bonne journée. Ok. Euh, essaye d'être à l'heure en classe. D'accord D'accord. Allez, bébé, ne laisse pas cette histoire te déranger. Ça ne vaut pas la peine. Non, ne t'en fais pas. J'irai bien. Tu en es sûr? Mmh. J'irai bien. Jeune homme, je ne sais pas pourquoi vous, les étudiants de nos jours, vous êtes si têtus. Vous pensez que le monde tourne seulement autour de vous. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous devriez choisir entre cette fille et vos études. Oui, vous me regardez. Vous me regardez. Je dis, choisissez entre cette fille et votre éducation. La balle est dans votre camp. Maintenant, laissez-moi vous aider. Écoutez. Suivez cette porte. Sortez de ce bureau. Avancez. Sortez. Partez. Merci, monsieur. Foutaise, je vais m'occuper de toi. Choisis entre cette fille et tes études. N'importe quoi. Je suis le docteur One Touch. Tu oses draguer la même fille que moi. Je vais en finir avec toi. Tu n'as encore rien vu. N'importe quoi. Je crois que vous devez voir docteur Namdi pour vos copies, d'accord c'est pour moi. Mike D'accord. Hé, hey, mec. Regarde ma note. Tu vois Tu vois ça Regarde. Si moi j'ai pu avoir cette note, ça veut dire que tu as cartonné avec mon frère. Félicitations. <laughs> Hey mec, je n'ai pas reçu ma copie. Ça veut dire que je dois aller le voir. Tu dois voir le docteur Namji. Les personnes qui n'ont pas reçu leur copie, allez voir le docteur Namji. sérieusement pourquoi cet homme est si mauvais ce n'est pas juste ce n'est pas juste j'ai vu ça venir mais tu as bien composé ce jour non <laughs> j'ai vu ça venir nous devons aller le voir nous devons aller le voir toi et moi allez le non. voir non non vas-y tout seul <laughs> mmh. allez on y va on y va Dépêche-toi. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui est bon à propos du jour? Hum, hum, je suis désolé, désolé, monsieur. Le chef de classe est venu distribuer les copies de l'examen. Et j'ai constaté que la mienne n'y était pas. C'est sûrement une erreur. Alors, je suis venu pour me renseigner. Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas. Participer à l'examen euh, 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 non j'ai composé, monsieur, eh bien, comme vous pouvez le remarquer, jeune homme, je suis très occupé avec euh, un autre travail. je dois aussi m'occuper de des projets des autres personnes, alors euh, vous pouvez partir et, et revenir une autre fois. Hum? Vous pouvez partir, merci infiniment, monsieur. Vas-y, tu n'as encore rien vu. <laughs> Docteur One-Touch. foutaise, tu n'as encore rien vu. <laughs> Docteur One-Touch. moi, je vais en finir avec toi. N'importe quoi. Tu n'as pas vu ta copie. Tu as composé cet examen, mais tu as choisi la fille et non tes études si ce n'était pas que je suis en dernière année j'aurais fait quelque chose par rapport à ça honnêtement je l'aurais fait ce n'est pas ce n'est pas juste Févor, tu dois chercher à te calmer je veux dire il n'y a rien que nous ne puissions faire docteur namdi est un homme mauvais et sans cœur cet homme est un monstre c'est vrai. En fait, tu 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 sais le plus drôle, ces professeurs, ils marchent, main dans la main, entre eux, ils se foutent des étudiants. Tu sais, le plus drôle dans tout ça, c'est que ils oublient qu'ils ont été des étudiants. <laughs> ça me dérange vraiment beaucoup. Est-ce pour cela qu'il est aussi mauvais? Il ne lui a même pas permis d'être diplômé. Il est à sa dernière année. Favour. Tu dois juste te calmer. Tu dois juste te calmer. Tu sais quoi Ne t'en fais pas. Docteur Nandi va aller en retraite. Et quand ça arrivera, que se passera-t-il Il ne sera plus professeur. Et quand ça arrivera Nous le serons. Calme-toi, ok Et c'est en train de me revenir. Fais voir. Oui. Tu dois être prudente. Docteur Namdi est sans cœur. Qu'il peut aller très loin pour te faire du mal. Rappelle-toi qu'il sait que tu es la petite amie de Michael. Et il pourrait te faire du mal pour ça. Ok? S'il te plaît. Merci. Toi hmm. prudente. Mais je sais que. Justice finira par être rendue. Amen. Amen. Oui, justice finira par être rendue. Allez, calme-toi. Merci toi. infiniment, Sean. Merci beaucoup. Prends soin de toi, OK? Calme-toi. Je toi. dois partir, OK? On se parle au téléphone. Pas Merci si. infiniment. Prends soin de toi. Merci, on se parle au téléphone plus tard. D'accord? D'accord. Michael. Docteur Nandi. Jeune fille, parce que tu es bonne en tout ce qui concerne le lit, alors j'ai décidé de te donner au moins un C dans ma matière. Un C Après avoir couché avec moi Monsieur, avec tout le respect, Dieu ne vous pardonnera pas. Hé, hey, hé, hey, laisse-moi te dire un truc. Le même Dieu que tu appelles A, c'est pour Dieu. B. C'est pour moi, ton professeur. Et c'est, c'est pour les étudiants brillantes, Tout comme toi. Alors, tu mérites un C. C'est assez pour toi. Tout le plaisir est pour moi. J'y ai bien pris mon pied, donc tu peux aller crever en enfer. <laughs> tu veux, tu veux un, A. non mais tu te prends pour dieu. Je dois te donner un A. Personne ne mérite un A dans mon cours et tu voudrais que je te donne un A. Viens ici la prochaine fois. Je vais m'occuper de toi. Je vais te montrer qui je suis et tu ne resteras pas dans cette institution. Foutaise, tu as des petites, des toutes petites fesses comme ça et tu voudrais que je te donne plus d'un C. Non, mais qui diable es-tu? Mes chers amis, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé hier. Ce sale professeur a presque failli me tuer hier, tout ça pour de très bonnes notes. C'est la même chose qu'il m'a faite. De toute ma vie, aucun homme ne me l'a fait par derrière. Franchement, les filles, vous m'étonnez. Ce n'est pas vous-même qui vous jetez à ses pieds. Si seulement vous décidiez de lire vos leçons, je ne vois pas pourquoi elle vous traiterait comme de la merde. Et s'il si le fait encore, allez vous plaindre auprès des autorités compétentes. Hmm allez se plaindre Je préfère le lui donner que d'aller me plaindre parce qu'il va te combattre avec ses amis. Je suis confuse. Jeune fille. Tu es prête à subir ma colère, n'est-ce pas Ou alors tu m'acceptes Ou tu m'affrontes Mais monsieur, je suis assez jeune pour être votre fille. T'ai-je bien entendu Est-ce que je ressemble à ton pauvre père Est-ce que je ressemble à ton père euh, Votre fille. Écoute. Il y a deux choses en jeu. Je n'ai pas besoin de te rappeler que tu es une étudiante de dernière année. Soit tu obtiens ton diplôme brillamment, soit tu reviens ici m'affronter. Deux choses en jeu. Fera mieux de vite réfléchir. Utilise ton cerveau. D'où Jésus. Qu'est-ce que c'est que ça Je dois coucher avec cet homme avant qu'il ne me donne mes notes. C'est grave. Salut. Quoi de neuf Pourquoi es-tu si abattu sais tu de me dire que tu n'es absolument pas conscient de tout ce drame, ce complot, de génie Et Si je te suis bien, tu parles du docteur Nandi. Bien sûr, oui. Je ne comprends absolument rien à ce que tu dis, mais... Ah bon Pour être honnête avec toi, je ne suis qu'un messager ici. Oh, vraiment Oui, je ne suis qu'un messager dans cette histoire. Ah Et nous sommes du même côté. Oh. Je vois ça. Du même côté, hein C'est vrai, je ne suis qu'un messager. Je n'ai aucun droit. D'accord. À présent, laisse-moi te dire un truc. Quand le moment viendra. Hmm? Je te promets. Que tu sauras qu'il n'y a aucune différence entre le messager et le message. Si le message est mauvais, je te le promets. Tu essaies d'insigner quoi là C'est pas toi, Michael Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Mais je peux te dire que quand tu es dos au mur, même la chèvre peut mordre. Michael. Ouais. C'est pas toi. Je ne sais pas qui je suis non plus. Michael. Michael. Mike. Être chef de classe, c'est de la merde. J'aimerais juste que certains d'entre eux soient chefs de classe et voir ce que je fais. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu m'as l'air si malheureuse et triste. Je veux dire. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Ça devient inquiétant. C'est quoi le problème? Hier nuit, j'ai fait un mauvais rêve sur toi. Et ça me perturbe. Je ne fais que penser à ça. Un mauvais rêve? Oui. Tu étais confus et... Tu ne progressais pas. Rien du tout, rien du tout, et tu demandais de l'aide. Mais... Mais tout va bien. C'était juste un rêve, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a Ne me dis pas que tu penses à ça. Qu'est-ce qu'il y a Allez, arrête, arrête de penser à ça. Tout va bien, rien ne va se passer, d'accord Ne pense plus à ça. Ah ah. De classe. Non, ne m'appelle pas chef de classe. Quand on est en classe, tu m'appelles chef de classe. Mais quand on est dehors, appelle-moi Joseph. Ok, Joseph. Assieds-toi. Ok, Joseph. Mmh, je voulais te demander une faveur. Quel genre de faveur mmh, Tu sais que tu es presque proche de tous nos professeurs. Et je veux que tu m'aides pour notre prochain examen. Oh, wow! Maintenant que nos examens sont proches, tu veux te rapprocher de moi, c'est ça? Me rapprocher, je ne comprends pas. Parce que nos examens sont proches, tu veux être amie avec moi? <laughs> non, 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 ce n'est pas ça. Le fait que je sois distante ne veut pas dire que je ne suis pas proche de toi. Alors ne prends pas ça comme ça. Alors, qu'est-ce que tu essayes de dire? Euh, je peux faire n'importe quoi pour réussir mon examen. Tu peux faire n'importe oui, quoi. Oui, n'importe quoi. Intéressant. Ok. Bah, dans ce cas, on se prend plus tard, d'accord Ah, ok. Pas de problème. Merci. Y a autre chose Non, c'est tout. D'accord. Je crois que je dois partir. J'ai quelque chose okay, à faire. merci. T'as mon numéro, non D'accord. Appelle-moi. Ouais. Prends soin de toi. Bonjour, les gars. Euh... J'ai reçu l'information du docteur Goldfred. Il a dit que pour ceux qui n'ont pas payé son manuel, ils seront pénalisés, mais pour ceux qui ont déjà payé, ils sont sauvés. Et je crois que vous connaissez la pénalité pour ne pas avoir acheté son manuel. De, de quel genre de pénalité il parle exactement J'en sais rien. Chef des classes, laisse-moi te dire, depuis que j'ai rejoint cette université en première année, jusqu'en ma dernière année, j'ai toujours une seule chaussure. Tout ça parce que doit payer telle chose au professeur, telle autre chose au professeur, payer ceci, payer cela. Franchement, nous sommes fatigués. Vous passez votre temps à Pourtant, je dis la vérité. Vous riez. Dis... Ah. On en a vraiment marre de tout ça. Nous sommes fatigués. Vous parlez tous au même moment. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ok. T'as fait des efforts la première année. Maintenant, c'est ta dernière année. C'est le dernier tournant et c'est maintenant que vous devez vous surpasser. Donc Si vous ne pouvez pas faire ça à la fin, alors je pense pas que vous êtes. Mes parents n'ont plus d'argent. Dis-le, dis-le à ton professeur. Qu'il nous colle la paix avec ces histoires Les gars, j'ai terminé. Je transmettre. Michael Quoi ouais. de neuf, mec Je suis pas content, je suis vraiment pas content. Qu'est-ce qu'il y a Mais pourquoi ces professeurs sont si mauvais Pourquoi On dirait qu'ils n'ont jamais été à l'école. La plupart d'entre eux veulent récupérer l'argent qu'ils ont dépensé à l'école. Mec, tu, tu, tu dis la vérité. C'est tout à fait vrai, je t'assure. Un professeur qui demande à un étudiant de payer après avoir étudié toute la nuit. C'est pour ça que j'ai un problème avec eux. C'est vraiment pour ça. Hein? Imagine, tu études du jour et nuit, tu oublies même de manger. Malgré tout, cela il demande plus d'argent. Tu sais, je vais payer, je vais payer. Mais, si après avoir payé, un professeur blague avec moi, <laughs> il verra de quel bois je me chauffe. Allez, calme-toi, on verra. D'accord, d'accord. Viviane, tu connais Mike et Michael? Ces deux gars sont très drôles et ils sont très intelligents. En ce qui me concerne, je vais payer mon argent, je ne veux pas avoir d'ennui avec un prof et je ne veux pas rater mon examen. Mmh. Eh bien, je vais m'en aller. D'accord. Voilà, okay. soin toi mmh. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Comment est-ce que je vais faire pour payer la scolarité de mon fils, Michael. Mon fils unique. Mon seul espoir qui me permet de tenir. Celui-là même qui va élever ma famille. Maintenant qu'il est à sa dernière année, je n'arrive pas à payer sa scolarité de dernière année. J'ai toujours voulu qu'il soit un étudiant, un diplômé, et qu'il ait un bon travail, un travail solide. Qui rendra cette famille fière Oh mon Dieu, maintenant je suis incapable de payer sa scolarité. Où oh, est-ce que je vais trouver de l'argent pour lui Et le lui envoyer avant ses examens. Mon Dieu. Euh, ok, je crois que j'ai une plantation qui est très grande. Je vais la vendre. Je vais la vendre. C'est ça. Ma chérie. Mmh. Oui, mon mari. Ma chérie. Mmh. C'est le dernier tournant. Après ça, notre fils sera un diplômé. À présent, nous avons besoin d'argent pour sa scolarité. Et je ne peux vraiment rien faire d'autre si ce n'est vendre ma plantation. Pour que nous puissions avoir de l'argent et payer sa scolarité afin qu'il soit diplômé. Mmh. Comme ça, toi et moi, nous serons mmh. heureux. Chérie. Mmh. Tu sais que c'est la seule chose qui nous reste. Mmh. Et tu as déjà vendu une partie de cette... Et fantasia. puis quoi Les années précédentes. Hein Alors nous devons arrêter mmh. Nous devons arrêter. Ce n'est pas ça. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'aurai payé sa scolarité et que notre fils, le seul espoir qui nous reste, est qu'il sera diplômé, nous n'aurons rien perdu. Mmh. Mon mari, tu as raison. Voilà. Mais là, la seule chose, c'est que... Mmh. Euh, je te comprends très bien, mm -hmm. mais j'essaie juste d'être prudente. Mm -hmm. Tu comprends? Mm -hmm. Chérie, euh, tu, tu n'as pas totalement tort. Mais si nous l'abandonnons à son. Ce ne sera pas la solution. Parce que quand il sera diplômé, mm -hmm. nous aurons tout accompli, on ne perd rien. Mm -hmm. Quand il deviendra quelqu'un demain, nous pourrons alors nous vanter. Je nous allons beaucoup voyager et profiter de notre mm -hmm. vie. Je te confonds, mon mari. Ce que j'ai dans mon champ Pas de, de problème, si c'est ça. Vas-y vends la plantation. Merci ma chérie. Merci <laughs> ma ça, chérie. Comme ça quand il sera diplômé, va nous appeler papa oh, et maman d'un oh, diplômé. Il exact. pourra nous emmener en Amérique voilà. et nous allons profiter. Mmh. <laughs> Oh, fred oh mon frère, j'espère qu'il n'y a pas de problème, pas à ma connaissance. Toi! Je t'en prie, lève-toi! Monsieur? Lève-toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Je Alors sais pas. vous êtes venu tricher à cet examen avec ceci? Tricher? Quoi? Je vous demande pardon, monsieur. Docteur Fred. Tricher? Regardez ceci. Incroyable. Incroyable quoi? Est-ce que tu vas la fermer? Incroyable. Hein? Fé, <laughs> si. retire tes mains de là tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là, monsieur? S'il vous plaît, j'ai besoin d'une explication. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai fait? À votre attention, s'il vous plaît. Fait. Avec ceci, tu demandes ce que tu as fait. C'est d'accord. Écoutez, tout le monde. <laughs> Je vous ai toujours supplié, chers étudiants, mm -hmm. mm -hmm. au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de toujours faire votre mieux et de laisser le simplement. Reste à Dieu. Vous n'êtes pas obligé de réussir. Même si vous échouez, échouez avec dignité. Tu Réussi reviens au rattrapage et non t'engager dans une chose pareille. Vraiment. Euh, Michael, ou quel que soit comment vous vous appelez, j'espère que vous connaissez la gravité de votre acte. <laughs> les sanctions qui en cours oh. pour ça. Eh bien. Docteur, je, je fais mon travail. Oui. Et puis le comité s'en charger. C'est tout. C'est la seule chose. C'est tout. C'est tout. Je, je crois que tu as terminé avec. Je vous souhaite le euh, meilleur. Vous, Merci pouvez, infiniment. vous pouvez continuer. Tu as terminé avec cet examen. Je vais juste agrafer ça à, à ta copie. Et euh, s'il te plaît, tu peux sortir. De la salle d'examen, félicitations. Et je pense que ceci servira de leçon. Bien sûr. Pour tout le reste. Bien sûr. Je ne pense absolument pas avoir été injuste. Sors de ma salle de classe, s'il te plaît. Dépêche-toi de sortir de la salle d'examen. Et concentrez-vous sur vos copies ou rejoignez-le. Sors de ma salle d'examen maintenant. Il vous reste quinze minutes. Monsieur J'aimerais déposer. Merci. Michael Michael Hé, hey, vous feriez mieux de vous concentrer. Ça, c'est vraiment une très belle performance. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Et toi, si tu veux, tu n'as qu'à te tordre le cou parce que tu ne vas absolument rien obtenir. Étudier, vous ne voulez pas. Mais vous voulez réussir. À quoi est-ce que tu penses Tu es orphelin Ou c'est l'examen qui a fait de toi un orphelin Rien ne se passe. Quelque chose se passe là maintenant. Tu sais que je ne l'ai pas fait. Je sais, bébé. Je sais que c'est un étudiant qui l'a fait. Et maintenant, tu as été la victime. Oh, mon Dieu. S'il te plaît, calme-toi. Oh. Franchement, tu sais que je n'aime pas quand tu es dans cet état. Je n'aime pas quand tu es dans cet état. Écoute, ce n'est pas la fin, d'accord? Tout ira bien, je te le promets. Écoute, je serai là pour toi, d'accord Je te le promets, tout ira bien. Bébé, s'il te plaît, arrête. Je n'aime pas quand tu es dans cet état. Arrête. Oh, Seigneur. Très bien. Bonjour hey, les filles. Salut. Salut. Salut les filles. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Tout va bien. Michael est innocent de cette accusation. Alors, dis-nous, que faisait ce au papier près de lui? Nous savons tous que Michael est intelligent. C'est ce que je dis. <laughs> Il ne s'agit pas seulement de l'intelligence. Pourquoi est-ce que tu les détestes autant? Pardon, je ne déteste personne. Ne te méprends pas. Amaka. Quoi? Mm -hmm. De toutes les façons, continuons d'étudier. Je n'ai pas. Courage, bon élève. Mais c'est mal. On le sait. De toutes les façons, concentrons-nous sur ce que Je compose aussi de mots. Laissez-moi lire mes cours. Et tu connais. Donc tu le sais. <laughs> non, je ne le sais pas, okay. madame. Les gars, vous savez que je suis innocent contre cette accusation portée contre moi. Je ne me livrerai jamais à des malversations lors d'un examen. Tu arrêtes jamais. C'est vrai, c'est trop rabaissant pour moi. Je ne suis pas bien placé pour dire si tu es coupable ou pas. Mais de mon point de vue, j'ai dit que tu n'es pas coupable. Nous tous, nous savons en classe que tu es l'un des meilleurs étudiants. Tu comprends? Ok. Vous savez tous que dans cette école. Et dans cette classe, Michael ici présent est mon meilleur ami. On le sait tous. Et quand il s'agit d'excellence académique, il est toujours le meilleur. J'ai tellement appris de lui. Je suis, je suis juste inquiet pour lui. Parce que je ne sais pas ce que le futur nous réserve concernant les plans du docteur Onadi. Impossible de savoir ce qu'il planifie. J'ai vraiment peur pour Michael. Ça me fait vraiment peur, très peur. Chef de classe. Oui, je t'écoute. Je pense que tu dois faire quelque chose par rapport à ça. Bien sûr. Parce que nous savons tous que tu es très proche de ces professeurs. Et de Dr. Namdi surtout. Tu es très proche de lui. Je veux dire, vous êtes proche. Parle avec lui. Va lui parler concernant cette situation. Parle avec lui. Voilà. Allez. Tu as raison. Tu as, as raison. Quelque... Et très intelligent. Il ne peut pas faire une telle chose. Comment est-ce que c'est arrivé Il commence à ce bout de papier. Les gars, je ne pense pas que ça vaut la peine d'aller lui parler de ça. Pour moi, c'est un coup monté. C'était planifié. Vous pigez Nous savons tous en classe que Docteur Namdi veut ta petite amie. Alors je pense que c'est un coup monté pour que tu rompes avec ta petite amie. Peut-être que c'est un coup monté et il t'a prévenu pour ça. Maintenant, la question que je veux poser est la suivante. C'est arrivé au point où un étudiant va être accusé injustement par un professeur d'une telle réputation juste à cause d'une femme Je ne sais pas si vous voyez ça du, du, du même point de vue que moi. Les gars, je... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas où toutes ces choses viennent. Et toi, Joe, je te suspecte aussi. Il faut que je sois clair avec toi. Parce que tu dois réellement faire quelque chose dans cette affaire. Parce que si, si jamais tu. tu, tu, tu... <laughs> mon frère. Mon frère. Les gars, je suis de cas, votre côté, je vous assure. Tu en es sûr? Sean, je t'assure. Tu en es certain? Je suis de votre côté. Pensez-y un peu, les gars. Docteur Namdi, ou peu importe comment il s'appelle. Doit-il faire tout ça Doit-il vraiment le faire euh, Est-il le propriétaire de cette école Il punit les étudiants. Et si je découvre que, chef de classe, si je découvre que. que tu es de son côté Je ne suis du côté de personne, à part vous, les gars. Vous êtes mes amis. Demande-lui, il connaît. Tu sais ce qu'il peut faire n'est-ce pas Je connais. Tu peux me croire, je prendrai son parti. Je te dis la vérité, je, je le pense. pense. Je, je pense pense. Que... Ça suffit, ça suffit. Et tant. Stop à tout ça dans cette école. Claire, nous devons mettre fin à tout ça. Bien sûr. À quoi pensez-vous C'est bon, c'est bon. Euh, ce n'est pas un problème. Mec, euh, 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 je suis désolé. Ce n'est pas comme si... Je comprends. Nous t'avons fait venir ici pour te menacer. Je comprends. Tu sais, c'est douloureux. Très douloureux même. Tu sais, donc le genre de coup que je reçois de cet homme. C'est très douloureux. Je suis désolé, les gars. D'accord Ne t'inquiète pas, Mike. Ça, juste que nous sommes présents. C'est d'accord, toi. C'est d'accord. Nous allons nous battre pour te sortir de cette situation. D'accord. Dieu contrôle. Ne t'inquiète pas. D'accord. Ça ira. Docteur Fred. Surtout ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Je suis en pôle position dans le jeu. Mais effectivement. Oh docteur, docteur Fred. Bonjour. Bonjour. Docteur Namdi. Ouais. Bonjour. Docteur Namdi. Tu n'as pas bonne mine. J'espère que tout va bien. Je n'ai pas bonne mine. Comment voudrais-tu que ma mine soit Enfin, le garçon a été convoqué. Et le conseil a décidé qu'il était innocent. Comment Comment Ils ont mené des investigations. Et ils ont dit que l'accusation portée contre lui n'était pas du tout fondée. Donc ils l'ont laissé partir. Les accusations que j'ai portées contre lui ou les accusations qu'il a portées contre nous Nous l'avons vu. En non, fait, écoute euh, ce qu'il est en train de dire. Nous avons conclu qu'il n'est pas Est-ce que tu entends ton collègue eh bien, le problème est vraiment simple. Vraiment très simple, c'est. Très simple Hum, il est simple, tu l'as dit. <laughs> il y a deux choses en jeu. Soit tu pars de cette institution, ou les garçons s'en vont. C'est aussi simple c que, que ça. C'est ce je... qu'il en est. Je m'adresse à toi. C'est aussi simple que ça. Et c'est parce que je l'ai introduit dans le conseil, qu'il me dit que le garçon n'est pas capable. Bon. Docteur, c'est bon. Merci, bonne journée. Merci. Peux-tu le croire Non, mais c'est qui ça un petit garçon. C'est parce, parce que je l'ai introduit. Ça fait combien d'années Parce que je l'ai introduit. Toi, c'est de ta faute. Tu veux aider tout le monde. Regarde-le. Il vient dire le garçon n'est pas. Le garçon est. Vois-tu, je, 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 je suis un chevalier. Je suis un chevalier. Je suis un chevalier servant. J'aide les gens. J'aide ceux qui sont moins privilégiés. Ok, tu Je l'ai aidé. Et maintenant, bien. il me dit que j'ai porté de fausses accusations contre le gamin. Tu l'as entendu. Il va partir. Je vais en finir avec Un lui. Un petit garçon. Je suis le docteur One Touch. ce n'est qu'un petit garçon. Il saura de quel bois je me chauffe. Exactement. On se voit plus tard. Un petit garçon. Ose se mesurer à nous. Ne rigole pas. Je sais que cet homme est un homme vraiment mauvais. Je le sais. Et je ne peux pas me permettre de perdre mon travail. Juste à cause de ce. de, de, de ce gamin. Non Aïe P -p -p Il faut que je réfléchisse. Pourquoi, Pourquoi est-ce que je perds du temps Je dois faire ce que j'ai à faire. Oui. Je ne peux pas perdre mon travail à cause de ce gamin. Mais ce gamin est innocent. Il est innocent. thank you je n'en reviens pas. le meilleur élève de mon département, de tout l'établissement, j'ai été renvoyé de cet établissement pour motif de tricherie à ma dernière année. Mmh. Toutes ces années à l'école ont été balayées d'un coup et gâchées. Mon Dieu. Mon Dieu. Docteur Namdi. À cause de ce que vous m'avez fait sans raison. Mon Dieu ne vous pardonnera pas. Mon Dieu ne vous pardonnera jamais. Quand je pense un instant que je vais retourner au village et recommencer ma vie à zéro, qu'est-ce que je vais faire à présent Être un chômeur Ou quoi Commencer à porter du gravier être un pousseur ou un mototaximan Oh bon sang Mon dieu S'il te plaît Guide-moi Marie. je suis juste en train de me détendre. Te détendre Oui, mon mari. OK. Euh, ma chérie, mm -hmm. je vais aller au champ vérifier mes pièges que j'ai tendus hier. Okay. Je serai vite de retour. D'accord Oui. S'il te plaît, dépêche-toi. Ne pars pas mettre long là-bas. Non, non, non. Ce n'est pas Michael. Pourquoi il rentre avec tous ses bagages à la maison Quel est le problème, Michael Michael Ah ah Pourquoi est-ce que tu rentres avec tous tes bagages Ou bien es-tu déjà diplômé Ah ah Tu ne dis rien Michael J'espère que tout va bien. Ah, ah. Mon mari parle lui. Que s'est-il passé Pourquoi es-tu rentré Tu es déjà diplômé Pourquoi es-tu rentré avec tes bagages à la maison Parle-moi, je suis ta mère. Parle-moi, Michael. Tu es déjà diplômé ah, ah. Non. Quelqu'un est mort Non. Personne n'est mort. Dieu merci. Alors, c'est quoi le problème Pourquoi es-tu rentré avec toutes tes affaires Ou bien tu es déjà diplômé non, je n'en parle. Un de mes professeurs, le docteur Namdi... Est-il eh mort Qu'est-il arrivé à ton professeur Il t'a Il... donné des congés Il m'a tendu un piège. Eh hein Il m'a piégé durant l'examen de fin d'année. Maintenant, le conseil d'administration de l'université a annulé mon année académique. Hey ça veut Allô dire Que tu as été renvoyé Hé hey Qui a bien pu me faire ça oh Hé hey Mes ennemis ont réussi oh. Ils ont réussi. Regarde ton père. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Hein Qu'est-ce qu'il y a Papa, mon mari Lève-toi, lève lève-toi, lève-toi. Papa, mon, lève mon mari. Mon mari. Mon mari ne me laisse pas. Ne me fais pas ça, non, 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 mon mari, ne me fais pas ça. <laughs> Mon Dieu, mon Dieu va punir ce bon à de professeur. Ce professeur qui a fait renvoyer mon fils de l'université. Je lui souhaite du malheur. Mon Dieu, retire sa joie pour tout le restant de ses jours. Il ne connaîtra jamais la joie. En fait, mon Dieu, fais-lui ce qui te fera plaisir. Non, non. Ce n'est pas ça fais-lui ce qui me fera plaisir oui c'est ce que je veux vu qu'il m'a privé d'être la mère d'un diplômé hey <laughs> docteur nandi je te souhaite le malheur <laughs> docteur nandi <laughs> tant que tu seras sur cette terre tu ne connaîtras jamais le bonheur tout le restant de ta vie tu ne connaîtras jamais la paix <laughs> Tu m'as privé de ce nom, maman d'un diplômé. Tu ne connaîtras jamais la paix. En fait, je suis censée porter ce nom maintenant. Maman d'un diplômé, maman d'un diplômé. Regarde ce que tu m'as fait, docteur Namdi. Regarde ce que tu m'as fait, docteur Namdi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Docteur Namdi, je te souhaite le malheur. <laughs> ah <laughs> Regarde ce que tu m'as fait. <laughs> Regarde-moi maintenant. Je suis censée être la mère d'un diplômé. Regarde-moi. <laughs> de maman. Maman chérie. Regarde l'ami de michael Ah <laughs> oh, mon fils. Maman. Sois le bienvenu. Comment Merci. tu vas Tu as bien, une maman. bonne mine. Comment tu vas Oh, tu as bonne mine. C'est grâce à Dieu mon oh, fils. Maman, ça fait longtemps. Mon fils alors, comment tu vas Je vais bien, je oh, vais bien. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Merci. Comment je tu Rien, oh. <laughs> au... <laughs> wow, 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 maman. Sois le bienvenu. Merci, mon maman. Fils. Merci, maman. Alors, à qui est cette voiture-là oh. Maman. À qui est cette voiture <laughs> Maman. maman. Hein? C'est ma voiture. Ah ah. Tu veux dire que c'est ta voiture? Oui, maman. Oh non, quelqu'un te l'a donnée, hein? Ah, <laughs> maman. Ça, c'est ma voiture. Je l'ai achetée six mois après mon service. C'est vrai, ça? Oui, bien sûr. Hein? Ah, gloire à Dieu. C'est oh. le travail de Dieu. Docteur Namdi, regarde ce que tu m'as fait. Maman. Hey! Ah, maman, quel est le problème? Hein? Mon fils est aussi supposé avoir ce genre de choses, hein? Pourquoi on m'appelle maman voiture? J'allais m'asseoir au siège arrière et j'allais saluer mes amis en disant Je vous salue, oh, je vous salue, comment oh. Ça va, ça va. Hein? Hey. Ça va. Tout ira bien. Amen, hein? oh, amen. Hein? Ah. <laughs> euh, voilà, en fait, je suis venu voir mon ami Michael. Ok. Je suis venu le voir. Mm, Michael. Ça fait deux ans maintenant depuis que je suis diplômé, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Je ne l'ai pas vu. Alors j'ai décidé de venir lui rendre visite, question savoir comment se porte mon ami Michael. Oh. Où est-il Michael. Michael est au champ en train de travailler. Au champ En train de faire quoi L'agriculture, bien sûr, il travaille. Non, 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 non. non. Mm. Maman, maman, tu veux me dire que mon ami Michael, aussi brillant soit-il, est au champ en train de travailler Oh mon Dieu. À cause du docteur Namdi, il n'a pas pu être diplômé d'université. Regarde, regarde ce que ce docteur m'a fait. Docteur Namdi. Hey. Peu importe où tu es, tu n'auras jamais la joie. Tu ne connaîtras jamais man, la man, joie. Maman, hey. maman, maman, c'est bon. T'en fais pas, tout ira bien, d'accord Amen, amen. Tout ira bien. Je prie pour ça. Dieu, je prie pour ça. Dieu est au contrôle. Amen, amen. Tout sera bien. Je me suis dit que je devais venir prendre ces nouvelles. Hein. Mm, tu as bien fait. Oui. Prends place, il sera bientôt de retour du champ. C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Je suis pressé. Je vais me dépêcher d'aller récupérer quelque chose. Je vais revenir. Ok. Quand tu vas rentrer, dis-le juste que j'étais de passage. Ok, ça. je le ferai. Et je voilà, vais lui dire. Ok, maman. Ok. D'accord, mon Tout fils. Ça ira bien. Arrête, ne pleure plus. Non, maman. non, je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus pleurer. Je ne pleure plus. Prends ça, ok Prends cet argent et achète-toi ce que tu veux. Hein C'est pour toi. Ça Oui, prends cette Non, pas, non, c'est ce beaucoup trop, c'est beaucoup Allez, trop. Allez, maman, arrête, ce n'est rien, tu mérites beaucoup plus. Hey. Tu mérites mieux. Donc, tu veux dire que tout ça, c'est pour moi C'est pour toi, maman. Eh. Hey. Merci. Je t'en donnerai plus quand je reviendrai. Merci, okay. mon fils. Que Dieu maman, te bénisse. Bon, ne, ne Dieu, bénisse. Dieu va te donner plus, Amen. Et il va te protéger. Amen. Merci. Amen. Hé hey, Mon fils, tu es gentil. Rentre bien d'accord. Rentre dans la paix. Je reviendrai d'accord Ok. Je veux D'accord, mon fils. Hey. Au revoir, mon fils. Maman, maman, arrête de pleurer, d'accord? Mon arrête fils, de ne t'en fais pas. Je ne pleure plus. Je reviendrai. Ok. Au revoir. Regarde comment il est devenu un grand homme. Hey! Hey! Mon fils aura aussi conduit ce genre de voiture. Hein? Et moi, je me serai assise derrière. Et j'aurais dit à mes amis, au revoir, oh! Mes amis, au revoir, oh. Hey. Oh, je fais du malheur à ce docteur. Docteur Namti, peu importe où tu es, tu n'auras pas la paix sur cette terre. Regarde-le. Après six mois, il a déjà une voiture. Hey! Hey, je vais compter, compter tout l'argent qu'il m'a donné. Un, deux, trois, quatre, cinq. 500 000 naira. Peut-être qu'il travaille dans une compagnie de pétrole. Hey! Vu sa richesse, ce n'est qu'une personne qui travaille dans une compagnie de pétrole qui peut te donner 500 000 naira. Juste comme ça. Hey! Mmh. Mais quand j'y pense, comment est-ce que mon fils Michael va se sentir s'il découvre. Que son ami était ici et qu'il m'a donné 500 000 Naira. Il va se sentir mal. Mon Dieu, mon Dieu, sois au contrôle. Aidez-moi. Aïe, 500 000 Naira. Maiko, mon pote Maiko, hey Maiko Mon vrai pote Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Nous sommes venus te rendre visite, ça fait longtemps, tu sais Mike, Mike C'est une grande surprise Ça fait longtemps, mon frère oh. Regarde-toi Hé, hey, frangin hey ça fait longtemps. Oh, 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 mec Qu'est-ce qui vous amène ici, les amis Oh mon ami, nous sommes venus te voir. est il interdit de voir notre frère Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Allons nous asseoir <laughs> Michael, Michael <rire> Mais on devait venir quand même. Pour te voir, frère. Ça fait longtemps, frère. Regarde-toi. Quoi de neuf Qu'est-ce que tu deviens C'est bon. Comment. Comment se passe votre service Comment s'est passé le service Mec, non, non, non. Nous sommes partis, nous sommes revenus. On a terminé. Nous sommes là. Fini avec quoi Ah, ah bon. Donc le service ne met pas long quoi. C'est juste deux jours, c'est ça C'est juste <laughs> pour un an, mon ami. Sommes de retour. Tu étais là-bas <laughs> et la prochaine minute tu en as fini. <laughs> Félicitations, mec. Merci. Félicitations. Merci, merci Frangin. Merci. Nous avons commencé à travailler. Nous avons eu un travail. C'est pour cela que nous sommes venus voir notre frère. Ah, ah. Vous travaillez Oui. Ok, elle est à qui cette voiture C'est ma voiture, et celle-là c'est pour Keshi. Moi, je n'ai pas voulu conduire toute cette longue distance, euh, alors j'ai rejoint Joseph. Oh, la tienne pour, est garée pour, quoi. Euh, Allez ensemble. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qui va pas tu à soudainement triste. C'est quoi le souci Non, 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 tout va très bien. Michael, Mike, Mike. écoute, écoute, tu oh, sais On que notre frère, je tu sais que nous sommes là. Tu devrais être heureux que nous sommes venus jusqu'ici te rendre visite. Ok? Qui? Regarde, regarde, Michael. Lorsqu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Exactement. Et c'est pour cela que nous tu sommes comprends? là pour toi. Tu comprends? T'en fais pas, tout sera bien. Allez, détends-toi. le coup, d'accord? Non, 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 c'est bon, les gars. Je pense qu'on doit trouver un endroit où c'est désaltéré. ça oui, oui. c'est vrai. C'est ouais. bonne c'est vraiment une bonne idée. Allons se désaltérer, Écoute, mec. je pense que tu dois nous faire visiter les dieux. Et nous faire voir les meilleurs coins allez, allons, un, deux, un, d'accord Relax, tu es notre partenaire. Ah. Ah. T'es toujours ah. mon poteau, d'accord Mon frère. Ah, My ah. Mon pote. Mikey. Allez, ah. vas-y, monte, monte. Je suis finalement au point de. Quel point? Je voyage demain matin à la première heure pour la ville. Ok. <laughs> hey, hey! Maintenant, tu parles bien. Ok, mon fils. Viens que je prie pour toi. À présent que tu as décidé d'aller en ville, viens, je prie pour toi. Tout ira bien pour toi. Amen. Comme tu pars pour la ville. Dieu prévoit pour toi. Amen. Il va t'élever. Amen. Ce n'est pas tout haut. Là où d'autres ont échoué en ville, toi tu vas conquérir. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu donneras aux nations et tu n'emprunteras pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Va en paix. Et reviens avec des richesses et la santé. Au nom de Jésus. Amen. Merci, maman. De rien, mon fils. Voilà. Nous sommes oh innocents. Ouais, madame, je vous en prie, calmez-vous. Laissez-le, Madame. On est là pour ça, d'accord Calmez-vous. Laissez-le parler. Je vous en prie, laissez-le parler. Calmez-vous, d'accord Je vous en prie, calmez-vous. Je comprends votre douleur, mais il y a des choses à nous dire. Il a tué mon mari. Ce que mon mari il a, a tué mon mari. Fait... Il, a... il a tué mon mari. Ce que mon mari a fait n'était pas juste. Et tu avais tort. Tu avais tort de tuer son fils. Tu n'aurais pas dû. Nous n'étions pas au courant de tout ça. Nous n'étions pas au courant. Nous n'étions pas au courant. Nous n'étions pas au courant. Eh bien, votre mari. Selon vous Selon vous Oh Seigneur. Était... Hein? Innocent? Il ne l'était pas. Okay. Ce qu'il avait était mal. On oh, 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 n'était pas au courant de ça. Sa famille n'était pas au courant de tout ça. Je t'ai pris comme mon fils. Grand frère. Nous ne savions rien de tout ça. Grand frère. Maman, mon mari est innocent dans cette affaire. Avez-vous dit innocent? Votre mari était innocent, n'est-ce pas Votre mari était innocent. Savez-vous à quel point j'étais innocent quand j'étais à l'université Je n'avais rien fait de mal. Je n'avais rien fait. Je veux dire, j'ai sacrifié mon temps. J'ai passé des nuits blanches. Je me suis cassé le dos pour étudier. Et j'étais à ça d'être diplômé, et j'étais piégé d'avoir triché en salle d'examen, et mon année académique a pris fin. Et mon père, mon innocent père au village, est mort. Oh, wow, Qu'est-ce que vous m'appelez, innocent Non, tu n'avais pas à faire ça. Qu'est-ce que vous appelez, innocent <laughs> Écoutez-moi et écoutez très attentivement. Si j'avais le choix... Oh si j'avais le choix, toutes vrai. les racailles, les crapules, les salopards méchants et tous les professeurs féroces de l'enseignement supérieur. Comme votre. votre beau-père, le docteur Namdi, je les tuerai tous. Je les tuerai. S'il te plaît, arrête, arrête. Au moment où nous parlons, mon mari est en train, en train de venir. Je veux, je veux qu'il vienne trouver cette situation. Je veux juste le regarder droit dans les yeux et écouter ce qu'il a à dire par rapport à ça. Je veux l'entendre parler. Mon mari est en train de m'appeler. Allô? Chérie? Quoi? Oui. C'est moi à l'appareil qui a son téléphone. Quoi? Quoi? Madame? Maman, Maman qu'est-ce qu'il y a? C'est -ce moi, s'il te Quoi? plaît. Quoi? Mon, Mon mari est mort. Quoi? Mon mari est mort. Épargnez-vous. Épargnez-vous des moments d'investigation. Je l'ai fait. Je l'ai tué. Quoi? Et aussi je ne m'appelle pas Wawa. Mon nom est Michael. Ah oh Côté le de ma vie Maman. tout de suite! Maman. Oui, monsieur! Maman. Tu as tué mon ami et son père? Doucement, mon frère! Doucement! Avance! Maman. Doucement! toi doucement, Avance! Doucement! Avance, doucement! Doucement! Détective! Doucement! Arrête-toi! Attendez! Arrête-toi! Arrête-toi là! Ne Arrête Arrête me touche pas! pas en enfer! En me bon pas. Que le, -le. fait possible! Menez-le! Vous payerez pour ça! Madame, toutes mes condoléances! Vous payerez pour ça, croyez-moi! Je m'en fous! Vous payerez pour ça! rien à perdre! Avant, j'ai vu quoi? Pauvre idiote! Idiote! Papa! bye